Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Luther 3. C'est un gros handicap réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus, c'est la distance des 4400 mètres sur le steeple. Un parcours assez exigeant, même si on ne va pas emprunter tous les gros obstacles de la piste d'Auteuil, mais déjà on a affaire à un parcours assez sélectif et c'est surtout qu'il risque d'avoir du beau spectacle en perspective. Pour des chevaux qui vont évidemment jouer leur carte à fond, mais attention, il y a quand même en point de mire le prix du président de la République au mois d'avril. C'est la préparatoire par excellence, ce prix du Luther 3. Mais on va voir tout ça avec mon analyse pour voir un petit peu qui se détache ici. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Batame du Bocage. C'est un cheval qui est régulier et quand même performant sur ce parcours-là. Il sera, à mon avis, encore dans le coup et visera évidemment les premières places. Le numéro 5, Écho de Chandou. Il est toujours compétitif en 61 de valeur. Moi, j'y crois beaucoup. Il ne va pas taper loin du tout, ce cheval-là. Le numéro 3, Guéluron. Il porte beaucoup de poids, mais attention, c'est un cheval qui a pas mal de moyens. Donc ici, je pense que dans cette épreuve, il a sa chance, évidemment. Les opposants avec le numéro 17, Harry Conti, il a été pénalisé de 3 kg sur sa récente victoire. Moi, je pense qu'il devrait encore se distinguer ici. C'est un cheval qui a quand même pas mal de marge, à mon avis. Le numéro 16, à Fortunato, c'est un cheval qui fait preuve vraiment d'une belle régularité. Il a des lignes plutôt favorables et à ce poids-là, je pense qu'il est capable de se mêler à la bonne combinaison. Le numéro 1, Écoute en tête, c'est une rentrée sous 72 kg. Mais attention, c'est un cheval de qualité, il ne porte pas le top weight pour rien. Et d'ailleurs, en obstacle, c'est difficile, souvent difficile de faire sans le top weight à l'arrivée d'un gros handicap. Donc évidemment, on va le surveiller de très près. Le numéro 2, Ma Beauté, elle débute dans l'handicap en steeple. Mais attention, c'est une jument qui a quand même montré pas mal de moyens. Je pense qu'elle est à suivre ici, même si on va la retenir peut-être plus pour une place. Mon coup de poker, c'est le numéro 18, Invité de Marque. À ce poids-là et sur sa forme qu'il a montré lors du meeting palois, je pense qu'il détient vraiment une chance plutôt intéressante, ce cheval. Il est sur la montante, c'est un 50, donc à mon avis, il a son mot à dire dans cette épreuve. On peut d'ailleurs, pourquoi pas, le tenter en The Couillon, c'est-à-dire trouver le quatrième, et ça c'est sur le site theturf.fr. Vous ouvrez un compte évidemment sur le site et The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 euros avec le code promo FLASHTURF. Les outsiders avec le numéro 8, Miralago, sur ce qu'il a réalisé à Pau, c'était vraiment pas mal du tout. Il connaît ce parcours donc évidemment on va s'en méfier dans cette épreuve. Le numéro 11, Jinja des Taillons, à ce poids-là, elle visera certainement une belle place à mon avis. Elle a déjà bien couru pour sa rentrée donc. Elle peut bien se comporter en général sur sa fraîcheur. Le numéro 15, Vainqueur, il est tombé pour sa rentrée, donc il mérite quand même un petit crédit. On va s'en méfier, on va le retenir pour une place. Le numéro 14, Attrick de Sivola, c'est pas évident pour lui. Ici, dans cette catégorie-là, c'est pour ça qu'on le verra plus en fin de combinaison. Le numéro 9, Sternkranz, sa marge au poids n'est pas très énorme, donc on va le retenir plutôt en bout de piste. Le numéro 6, Avanea, elle revient à Auteuil. Elle doit juste un tout petit peu rassurer, mais on ne va pas totalement l'écarter quand même dans cette épreuve. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Saint-Dubaoui. Il risque peut-être de manquer, à mon avis, pour cette rentrée. Ça fait quand même un petit peu pas mal de temps qu'il est absent. Le numéro 12, Saint-Romain du Derby. Pas d'emballement, à mon avis, dans cette épreuve. Je vais m'en passer. Le numéro 7, Jumble Moon. Ça me paraît pas simple pour lui avant le coup, donc je vais l'écarter. Le numéro 13, Royal Cléty. C'est compliqué pour lui. Donc je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus d'Auteuil. Je vous conseille de vous rendre sur l'hippodrome d'ailleurs ou d'assister à la course. Il va y avoir du spectacle et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.